Calendrier de l'Avent, vendredi 15 décembre, vous avez un message. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce soir, j'étais avec une dame qui s'appelle Simone. Elle vivait dans la région parisienne, plus précisément dans le 16e arrondissement, ou Neuilly-sur-Seine, parce qu'elle m'a parlé de cette région. Elle est décédée d'un cancer, soit d'un cancer du sein, ou alors c'est parti par rapport au poumon et au sein, ça touchait avec les métastases et tout ça. Elle a beaucoup souffert, elle était très élégante. Elle était toujours très très bien habillée, très 16e, toujours bien habillée, petit sac à main et tout ça. Elle était divorcée et elle me parle d'un Jean, d'un Philippe et d'un Pierre. Alors je ne sais pas si c'est des enfants à elle ou des personnes qu'elle est. Elle vient pour ces trois personnes. Et je pense que les trois personnes, Jean, Philippe et Pierre, je pense que sur les trois, il y en a peut-être deux qui sont vivants et qui est décédé. Alors, elle aimait l'art, elle aimait faire des expositions, elle aimait aller au cinéma, elle aimait aussi la nature. C'était une personne qui était très raffinée et elle avait un mobilier un peu comme style, pas Louis XIV ou Louis XVI, mais un mobilier quand même très très élégant chez elle. Et elle avait un appartement avec ce qu'on appelle des moulures au plafond blanc et un parquet en bois que quand elle marchait avec ses petits talons, ça faisait cric, cric. C'est trop drôle. Et puis j'entends ses talons, ça fait clic, clac, clic, clac, clic, clac. Alors, elle était très précieuse, cette dame-là. Elle me montre une alliance un peu avec des diamants et elle portait, je pense, un solitaire à sa main gauche. Voilà ce qu'elle me dit. Toujours les ongles bien faits, bien maquillés, très coquette. Elle aimait beaucoup les beaux dessous, elle était très féminine. Elle aimait l'art, elle aimait la beauté. Elle était plutôt blonde, des yeux clairs, bleus ou verts. Et très distinguée et très raffinée. Elle a beaucoup voyagé. C'est une femme qui aimait beaucoup partir en vacances au bord de la mer et elle aimait le soleil. Et elle vient pourquoi? Elle vient par rapport à des enfants pour leur dire qu'elle est bien, qu'elle est dégagée dans la lumière. Je pense que c'est une personne qui est décédée il y a moins de 5 ans. Ça peut être 3 ou 4 ans, mais moins de 5 ans.